Mesdames, et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Chanel Mon Affaire, Bon TV. Tout d'abord, Mesdames, et Messieurs, nous avons déjà lancé un SOS. À côté que nous apprenons dans le investigation, il y a un complot qui a fait là, Mesdames, et Messieurs, il y a un complot qui a préparé là pour Ariel Henry t'arrêter après 7 février 2022, Mesdames, et Messieurs. Il y a un complot qui a fait là, un palais en pile, des négociations qui a fait pour être capable Ariel Henry après 7 février 2022. Évidemment, le peuple n'est pas d'accord. Évidemment, nous-mêmes qui nous avons déjà soir, nous pas d'accord. Toute couche sociale dans le pays n'est pas d'accord pour arrêter Ariel. Évidemment, c'est une préparation qu'a fait. Nous allons parler de ça. Puis ça, côté, eh bien, nous saluons les citoyens, les organisations le non M. Sariot, Monsieur côté campé, qui ont demandé pour arrêter Ariel. Pour Ariel, en représentant devant la justice, mesdames et messieurs, c'est toute équipe, c'est toute couche sociale, c'est quasiment qui commence à demander pour arrêter Ariel. Ce n'est pas n'importe quoi, mesdames et messieurs. Avant, nous n'avons pas vraiment qu'on parler de ça. Mais là, la bagage a commencé pour l'autre couleur. C'est important, évidemment. Et nous mesdames et messieurs, il faut nous... lever Et c'est tous nous-mêmes qui, bon, ici, Montréal, qui, Canada, en nous lever et en nous mettant coucou rouge, de ce, et juste ça. Faut juste ça, mesdames mandat jouvenel, mandat sa et messieurs, qui te tes mandats contre le président Jovenel, qui te tes faux mandats contre le président Jovenel, et me connais qui nan dans nous, qui nous, qui prête le temps là, ou même qui surtout Montréal, qui Québec, qui Gatineau, monsieur dames, en nous dégager, nous, pour nous collaborer, pour nous correspondre à juste ça, parce que sincèrement, parce que là, c'est sérieux, à cause de juste ça, avec faux mandat, eh bien, bien pour a beaucoup de qui sont parlées là, il possible, a des possibilités pour même... Messi n'est ça, au Colombien ça ta, t'as retrouvé liberté ou à cause de qui ça, à cause de faux mandats que juge ça.